1991, c'est les débuts de la nouvelle série X-Men, écrite par Claremont et dessinée par Jim Lee. C'est la première fois que les X-Men obtiennent une seconde série mensuelle régulière. L'équipe va être scindée en deux groupes, le groupe or et le groupe bleu. Et on va retrouver ici donc les nouvelles aventures des X-Men dans un nouveau mensuel. Et autant vous le dire, puisqu'on parle souvent des morceaux de bravoure qui permettent aux comics Marvel de rentrer dans la légende, et ben les X-Men là, c'est vraiment la légende qui s'écrit, notamment avec le premier triptyque, un trio d'épisodes où on a un Magneto absolument extraordinaire. Regardez-moi ça. Alors évidemment, Jim Lee aujourd'hui, tout le monde le connaît, y compris les néophytes. C'est vraiment quelqu'un qui parle à tout le monde. À l'époque, il était encore, à ses débuts, n'exagérons pas, mais c'était pas encore la superstar qu'il est aujourd'hui. Et quand on l'avait trouvé, découvert sur les pages de Uncanny X-Men, pour certains, eh ben, ça avait été une révélation. On avait adoré Jim Lee. Quelle puissance dans le trait, quelle version iconique des héros, quelle pose justement héroïque. Regardez-moi ça. Cette pose-là de Malicia, par exemple, elle est devenue tout simplement incontournable. Donc, elle a été maintes fois imitée, rarement égalée. Voilà, ça c'était les X-Men de Jim Lee. Alors dans ce triptyque d'épisodes, ils affrontent Magneto qui se trouve à bord de l'astéroïde M dans l'espace. Il flotte au-dessus du territoire soviétique avec toute une série de missiles nucléaires, ce qui a pour don d'énerver les Russes. Résultat, une force internationale est en train de se créer pour essayer de désamorcer le problème. Le problème, justement, c'est que Fabienne Cortez et les acolytes des mutants, particulièrement véhéments et qui sont beaucoup moins pacifiques que les X-Men, décident d'aller rejoindre Magneto, s'unir à lui pour entamer une croisade contre l'humanité. Et comme Fabienne Cortez est un type assez machiavélique et qui, en réalité, a des plans et des objectifs tout à fait personnels, eh bien, ça va finir par tourner dans le cerveau de Magneto et le pousser à passer à l'action, le pousser à se comporter en véritable despote. Alors Magneto, il est toujours hanté par les souvenirs de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale avec le peuple juif. Il est persuadé que c'est ce qui va se passer très bientôt avec les mutants. Et du coup, pour éviter cette catastrophe, pour éviter le génocide qu'il estime totalement impossible à éviter, bien, il décide de passer à la proaction, c'est-à-dire ne pas attendre que ça se déroule, anticiper et s'en prendre aux humains, s'en prendre aux êtres humains qui ne sont pas des mutants. Alors voilà, ce sont des épisodes totalement mythiques. Ça sort de la page, hein. Là, le fauve bondit vraiment pour le coup. Ce sont des épisodes mythiques, hein. On a vraiment du mal à trouver des épisodes qui ont autant marqué l'histoire des mutants. Moi, je pense que tous les ans, je les relis. Je pense que chaque été, je m'y replonge. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette Psylocke en action. On a presque envie qu'elle nous mette un grand coup de pied dans la mâchoire. Tellement c'est joli. Et on continue avec trois épisodes, vraiment trois épisodes, les trois premiers qui sont absolument extraordinaires. Alors là, vous avez plein de bonus, hein, c'est normal, c'est la version qui se trouve dans la Epic Collection. Et cette collection-là, elle est très intéressante parce qu'elle repropose un peu tout ce qui s'est fait dans les années 70, 80, 90. Et elle ne lésine pas sur les bonus, justement. Donc moi, elle me plaît énormément. En plus, en VO, ça permet de relire Gambit dans son français totalement improbable. Qu'on ne retrouve pas dans la version française, forcément. C'est un des plaisirs de lire aussi la X-Men en VO à l'époque. Et puis, vous avez des combats à chaque page, ça explose, c'est extrêmement rythmé, il n'y a pas de temps mort, en fait, hein, là-dedans. Tout est bien, tout est joli. Je ne sais pas si on peut trouver vraiment des défauts à ces histoires, à ces trois épisodes, tellement ils sont bons, tellement ils correspondent vraiment à ce qu'on attend d'un comic mainstream qui ne fait pas perdre notre temps ni notre argent. En plus, à l'époque, les comics, ça valait pas encore ce que ça vaut aujourd'hui. Les prix étaient encore un peu plus raisonnables, on va dire. Et voilà. Ça, c'est Magneto. C'est pas le type qu'on a vu par la suite, qui sait pas trop ce qu'il veut. Là, ça, c'est Magneto. Et ces trois épisodes absolument extraordinaires avec Moira MacTaggert, on apprend qu'elle a un peu légèrement trafiqué l'ADN de Magneto et ses souvenirs à l'époque où il était redevenu un petit bambin dont elle avait la responsabilité. Alors, si vous ne savez pas pourquoi elle est redevenue un petit enfant alors que normalement c'est un homme mûr, ça serait très long à vous expliquer, mais sachez que oui, une fois c'est arrivé, il arrive un peu tout et n'importe quoi dans les comics Marvel. Et à l'époque, il en avait profité donc pour faire quelques expériences. C'est quand Magneto apprend la vérité, il n'est pas très content. Et ça a tendance à l'énerver. Alors déjà qu'il n'était pas très calme au départ, résultat, il est un peu les nerfs. Voilà, donc pour vous dire que oui, moi j'aime bien ce que fait Hickman en ce moment, il n'y a pas à dire, hein, c'est du bon boulot, mais quand je veux vraiment relire des trucs qui sont légendaires, que je connais par cœur et que j'adore, eh ben, le triptyque qui ouvre la série de 91
Dernière histoire de Claremont, hein, le numéro 3, c'est les adieux de Chris Claremont à la franchise mutante. Dessiné par Jim Lee, ben voilà, ça c'est pour moi c'est de l'indispensable. Si vous ne connaissez pas ça, ben, vous avez un pan de l'histoire des comics à découvrir. Puis si vous connaissez, vous savez de quoi je parle et vous les relisez souvent, je pense vous aussi. Allez, sur ce, ben, bonne fin de vacances parce qu'il ne reste plus beaucoup de jours pour ceux qui sont encore en vacances. Ciao, ciao!